Classico. 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 Quiz, super quiz consacré ce soir à un ancien joueur parisien qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle aujourd'hui, messieurs. Guillaume Haro, je donne le point. Je l'ai dit avant. Alex, en 2007-2008, Benjamin, tu vois qui c'est, bah, Guillaume Haro. Je travaille, bon, en 2007-2008, hein. Guillaume Haro quand même. C'est toi qui m'as fait des voix. 2007-2008, Guillaume Haro finit meilleur buteur de Ligue 2 avec le club. Excuse-moi, respecte-nous. Combien de buts a-t-il marqué cette saison-là? Nous sommes en 2007-2008 et le Havre est en 26, moi. 28, c'est le point pour Alex Vise. Pour Alex Armand. Tu veux vraiment pas que je gagne, en fait. Guillaume Haro rejoint le PSG à l'été 2008 après avoir été prêté en... Je passe sur ce prêt entre les deux clubs. Comment s'appelle alors l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Paul Le Guen. Paul Le Guen, et c'est un point pour Alex. Cette saison-là, le PSG recrute un milieu international français qui jouait jusque-là en Espagne. Makelele. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas Makelele. Makelele. Fini. Ouais, c'est bon. Qui joue en Espagne? Un international français qui joue en Espagne. J'aurais dit Makelele aussi, mais j'espère que c'est pas ça. Non. Ah oui, t'as déjà... Ouais, mais... Alors, messieurs. Non, il n'y a pas. Non, j'ai pas. Non. Attends, si, je l'ai. Merde. Très, très bon joueur. Si. Grand par Julie, talent. Julie, c'est le point pour Alexis. C'est un milieu terrain. C'est un milieu terrain, attaquant, excuse-moi. Mais c'était lui, français. Il est milieu terrain. Haro était un excellent joueur de tête, ça ne vous a pas échappé. Attends, tu l'as mis à moi, c'est Alexis, je suis honnête. 97. 96. Non, je me suis trompé sur les points. 96. 1m96. 91. Ce classement va être contesté. 91. 93. 93, 92, et c'est le point pour Alexis Vizan. Guillaume Haro qui quittera ensuite Paris pour jouer à Bordeaux, puis au Young Boys de Berne. Combien de buts a-t-il marqué avec le club suisse en 188 apparitions? 117. Allez, 117. Plus d'un but par 108, match, bien sûr. 188 apparitions, 117, mais plus d'un but par match. 117. 90. C'est 60. C'est incroyable, 118. C'est le point pour Alex. Combien de sélections compte Guillaume Haro avec l'équipe de France? 5. Et c'est le point. Je suis désolé, c'est le point. C'est impossible. Alex Darm, bah, impossible. La presse, selon fait. Le site, non. Il reste des questions. Je suis sûr que j'ai entendu. Il va jurer sur. Okay. Selon le site Transfer Market, quelle fut la valeur marchande la plus élevée de Guillaume Haro? 25. 25 millions d'euros. Pas plus. 32. 32. Je mettrais pas plus. J'aurais dit 27. 11 millions et demi d'euros. C'était en décembre 2010. Une dernière question. Combien valait hier Guillaume Haro? Et ça vaut 2 points. Combien valait hier Guillaume Haro? C'est toujours selon Transfer Market hier. 200 000. Ah ouais. 500 000. 50 000. 100 000, c'est toi qui gagne le point. Ça fait un double point. J'ai gagné tout. C'est Alex Darmon qui gagne. Bravo, on peut applaudir. Bravo. C'est fini. Merci à vous. Merci Benjamin. Merci Alexis. Et merci à Alexandre. Et merci à Benjamin Alaria. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site radioj.fr, en vidéo sur la page YouTube et sur les réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez. À suivre le festival oriental d'Avenir à Soulé, que l'on salue chaleureusement. À lundi prochain pour un nouveau Classico. Radio J.